les enfants, faut vite pas que, le TNT, que la bombe explose. Eh mais grand frère, ça a rien fait. Attends, je vais voir. Ouais, ça a l'air d'avoir rien fait, c'est bizarre. J'entends des bruits. Bon, papa, moi aussi. On peut retourner à vivre à la maison. Hein. Attends, mais non. J'ai entendu un bruit. Gary, reviens, Gary. Mais quoi, ça a rien fait, Gary. Hey les amis, j'ai découvert un jeu incroyable hier soir et j'étais obligé de vous en parler. Le jeu s'appelle Head Ball 2. C'est un jeu disponible sur iOS et sur Android, les amis, c'est un jeu incroyable. J'y ai joué toute la nuit, les potes. On s'est tapé des barres avec Stan, je vous explique même pas. Head Ball 2 est un jeu incroyable, les amis, que vous pouvez jouer entre famille ou avec vos amis. C'est un jeu de foot et le but de ce jeu, c'est de gagner plein de matchs. Du coup, voilà, vous allez faire plein de matchs avec plein d'amis à vous, des gens que vous pouvez jouer en ligne. Ça veut dire que vous jouez en temps réel avec le monde entier. Et plus vous gagnez de matchs, plus vous gagnez d'argent. Et plus vous gagnez d'argent, plus vous serez fort. Je vais vous montrer un petit peu le jeu et on en reparle juste après. Attendez, je vais envoyer un message à Stan et on va faire notre plus beau match. C'est parti, allez, on t'attend Stan, tu peux rejoindre. Ok, est-ce que t'es prêt à être la victime? Ah mais hier c'était toi la victime mon coco hein. Vas-y, c'est parti. Ah ouais, ah bah aujourd'hui je pense pas hein. On verra. Allez hop, c'est parti, 3, 2, 1, let's go. Les amis, moi je suis la fille avec les lunettes hein. C'est parti. Oula. Ah hop, wow. T'allais mettre un but mec. Oh, ok. Oula, on va essayer de faire gaffe. Oh, mec. Oui. Yes. War. Oh, je t'ai mis mon plus beau but mon pote là. Yes. Allez tiens, mange. Pouvoir, je vais utiliser la boule de feu, regardez. Bim, boum. Oh, oh. T'as contré ma boule de feu mec, t'es sérieux? Ok bon, attends. De 1, de 1, on va gagner. Non. Yes. Oh non. Mec. Oh. Vas-y, vas-y, hop. Oh non. Oh tricheur. Oh tricheur. What? Mais t'es sérieux à tricher comme ça mec? Regardez par exemple, je vais dans personnages. Nickel, et regardez tous les personnages qu'on peut débloquer, c'est incroyable. Il y a même des imitations, regardez. Ça c'est Ibrahimovic. Ça c'est Messi, ça c'est Cristiano. Regardez Cristiano. Les amis, sur le jeu, j'ai créé mon équipe. Elle s'appelle Troll Family. Du coup voilà, n'hésitez pas à la rejoindre les potes, comme ça on pourra faire plein de matchs ensemble et on verra si vous pourrez me battre. Celui qui pourra me battre sur ce jeu aura une énorme dédicace de ma part. On verra si vous êtes chaud pour me battre. Si vous voulez jouer contre moi, il est important de télécharger le jeu qui se trouve dans la description. Voilà, c'est le premier lien qui se trouve dans la description les amis, voilà. Téléchargez tous ce jeu et venez rejoindre mon équipe. Moi je te pote Sesuka. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Alors avant que la vidéo commence, les petits potes, lâche le plus gros like de ta vie comme d'habitude poto. Abonne-toi à la chaîne YouTube et active la cloche pour rejoindre la Troll Family. Et c'est parti les amis, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je pense vraiment que la vidéo sera vraiment géniale. Et si toi tu me découvres grâce à cette vidéo, abonne-toi à la chaîne YouTube. C'est vraiment mais vraiment important pour qu'on puisse atteindre les 440 000 abonnés les potes. Voilà, on vient de passer les 430 000, donc toi, si tu n'es toujours pas abonné, abonne-toi et active la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et c'est parti les amis, alors voilà, si vous n'avez pas vu mon dernier épisode sur ma chaîne YouTube les amis, il y a Billy qui est vraiment mais vraiment mal en point, on l'a retrouvé en dessous de la météorite. Vraiment les potes, si vous n'avez pas vu le dernier épisode, je vous conseille d'aller le voir, comme ça vous comprendrez un petit peu l'histoire de ma chaîne YouTube. Et c'est parti les potes, du coup ce qu'on va faire, c'est que nous allons aller voir Rick parce que aujourd'hui il va soigner mon fils Billy et j'espère qu'il ira mieux parce que vous étiez super chaud à mettre plein de pouces bleus. Du coup c'est parti, alors avant d'aller voir Rick, je vais aller aux toilettes. Ok, je pense que je vais aller aux toilettes un petit peu plus tard. Ok d'accord. On a vu Gary qui dormait à côté des toilettes. Stas
Bonjour Eva. Papa, est-ce que c'est un rêve ou quoi? Il y a vraiment des météorites dehors, je sais plus qu'est-ce qui se passe, non. Billy s'est blessé. Mais Eva, oh là 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 là, les potes, regardez, Eva est en train de perdre la boule. Mais ça va Eva, t'inquiète, là on est en sécurité dans ce bunker. Mais je veux sortir dehors voir mes copines. Oh là là, je sais que t'as envie d'aller voir tes copines, mais faut attendre un petit peu, peut-être que Rick trouvera une solution pour remettre tout ça à la normale. Tout de suite. D'accord, Eva, bon, on va voir déjà comment se porte Billy, d'accord? Lui aussi, il a perdu la boule, je crois. Oh non, les amis! Mais non, mais... Tons. Coucou, Billy, ça va? Papa! Ça va aller depuis hier, Billy? Non, papa, ça va pas. Oh non! Oh non les amis, bon regardez, Billy est encore en très très mauvais état. Du coup ce que je vais faire les potes, c'est très simple. Comme vous avez mis 15 000 pouces bleus à la dernière vidéo, voilà, j'avais demandé 15 000 likes pour guérir mon fils. Et bah là c'est bon, voilà, on pourra guérir mon fils. Du coup c'est parti, on va aller chercher Rick, le scientifique, comme ça il pourra le guérir. Et ensuite on ira dehors voir qu'est-ce qui se passe dans notre maison, c'est parti. Ah monsieur Rick. Ah bonjour Rick. Oui, je prenais une petite douche, oui. Ah tu prenais une douche, d'accord. Mais comment ça va, Rick? Tu vas bien? Attends, je règle un petit papier, je règle... Oh, oui, voilà. Oui, ça va super, et toi? Ça va. Mais Rick, attends, ta voix, elle est redevenue normale. Oui, j'ai... C'est passé avec le temps. Enfin, non, j'ai trouvé un antidote que j'ai confectionné dans ma machine. Oui. D'accord, ok, d'accord, pourquoi pas. Bon, Rick, tu sais que lors du dernier épisode, il y a eu 15 000 likes. Mais c'est super, ça. Ah bah oui que c'est super, ça. Heureusement que c'est super. Et du coup, tu sais à quoi je pense? Oui, il faut soigner Billy, c'est ça. Exactement, exactement, Rick. Du coup, c'est parti, bah regarde, il est encore en très mauvais état sur son lit d'hôpital. Tu penses pouvoir faire quelque chose? Oui. Attends, je dois aller confectionner... je dois regarder dans mes dossiers. D'accord, ça marche. C'est parti, du coup, les potes. On espère que Rick pourra guérir Billy. Oh, en plus, regardez, il est en train de saigner, le pauvre. Wow, ça va, Billy, ça va. T'inquiète, psst, on va te guérir. Papa, ça pisse le sang. Bon, il faut, pour commencer, il faut arrêter les saignements, il faut ramasser tout le sang, et il faut lui faire un bandage. Ok, bah vas-y, faites-lui un petit bandage, monsieur, vite. Voilà, le bandage il est fait, normalement c'est normal. Ah il est fait papa. Ah oui, c'est bon, bah, ah, okay, c'est bon, le bandage il est fait Billy, c'est bon, voilà, normalement tu devrais plus saigner. Voilà, nickel, c'est bon. D'accord. Ah papa, je sens que ça chatouille papa, ça chatouille très fort papa. Oui, c'est normal, c'est parce que j'ai serré. Oh là, il y a de la lienne verte. Oula, c'est quoi ce truc vert là, Rick? Vert comme Carlos. Oui, voilà, c'est vert comme Carlos, en fait. Ah bah voilà, il est guéri. Oh ah, ah oui, c'est papa, bon, Billy, ça va beaucoup mieux, t'es redevenu normal. Ouais. Sinon, ça va? Bah ça va, et toi, Billy? Vous allez tous bien? Oui, papa, on est où ici? Bah Billy, on est dans un bunker, en fait. Tu sais, on t'a retrouvé. Un bu quoi? Dans un bunker. Dans un bunker. Un bunker? Bunker? Non, un bunker. Ah d'accord, un bunker. Oui, d'accord. Un bunker, Billy. Parce que t'as vu dehors ce qui se passe, c'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe dehors? Bah y'a le soleil, il fait chaud, y'a les nanas sur la plage. Mais n'importe quoi, Billy, on t'a retrouvé en dessous d'une météorite, Billy, tu t'en rappelles pas ou quoi? Une météo quoi? Météorite. Bon, d'accord. Billy, hein? Billy, viens. C'est quoi ça? Billy. Oui, quoi? Viens, regarde, c'est ça, regarde. Wow, Rick. Rick, ça, oui, il semblerait que ça explose beaucoup. Wow. Notamment ici, on voit une belle explosion. C'est joli, moi, je trouve. Ok, d'accord, les amis. Du coup, c'est les explosions qu'ont fait les météorites, c'est ça? C'est ça. Oh, tiens, regardez, il y a un bâtiment qui s'effondre. C'est marrant. Mais Rick, tu trouves ça marrant? T'es sérieux? Ah oui, ce serait bien qu'il soit dedans, Rick. Hein. Oh là là. Et ça te calmer.
Bon, okay. Eh ben attendez, eh les enfants, attends Billy, ça te dit qu'on te montre qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Parce que Billy, hier quand on t'a trouvé, tu nous as dit que t'avais entendu des voix à l'intérieur de la météorite. Ah oui papa? Oui. Ah oui, mais des fois t'inquiète, hein, je suis un peu comme Dieu papa, il y a des têtes qui se trouvent là-dedans. Non, attends Billy, Eva, ça vous dit qu'on aille voir en haut de la dans la météorite pour voir ce qu'il y a à l'intérieur? Il faut s'équiper, papa. C'est vrai qu'il faut s'équiper. Souka. Oui. Je vais aller réveiller ton frère là. Ah oui, va réveiller Gary, il se trouve dans les toilettes des garçons là. Attends, c'est entre lui et moi. Ok, d'accord. Bon, on sait pas ce qui va se passer à l'intérieur, les amis. Bon, Gary. Ah, c'est un fou qu'il me réveille comme ça. Wow. Coucou grand frère. Coucou Gary, ça va? Ça va et toi? Ça va, mais dis-moi, qu'est-ce que tu faisais en train de dormir à côté des chiottes? Je sais pas, parce que j'ai bu ça hier. En fait, sur le papier, il était marqué à ne surtout pas boire. Du coup, j'ai bu et voilà, je me suis retrouvé comme ça, là, dans les toilettes. Mais écrit ne surtout pas boire et toi tu bois et toi aussi tu bois, vous êtes sérieux? Ah, en fait j'ai compris, surtout boire. Ouais, oui, moi aussi papa. Parce que j'étais un peu fatigué et du coup j'ai pas lu et Mais je vais vous éclater les enfants, arrêtez de faire des bêtises. Oh là là. Oh là 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 les amis. Mais qu'est-ce que je vais faire d'eux les potes, c'est incroyable. Bon, les enfants, moi ce que je vous propose de faire, d'accord, c'est qu'on va aller voir dans la météorite. Du coup, Gary, t'es chaud toi aussi ou pas? Non, je suis froid. Oui, je suis chaud. Oui. Oui. Ok, super. Ok, vas-y, c'est parti. Du coup, on va prendre notre équipement, les potes. C'est parti. Attendez. Moi, hier, je me suis mis en jaune. Du coup, je vais me mettre en noir aujourd'hui. Du coup, vas-y, les enfants, vous prenez l'équipement que vous voulez. Gary, oui. T'es où? Mais j'ai perdu, mon frère. On est là, Gary, on est là. Oh là là. T'es là. Où? Là, ici, là, voilà, on est là. Oui. Voilà, viens ici. Du coup, voilà. Oh, ok, d'accord. Papa, il est un peu grand. Il est un peu grand, papa. Pareil pour moi. C'est trop grand. Ah oui, c'est vrai que l'équipement est un petit peu trop grand pour vous, les enfants. Hein. Faudrait. Mais c'est pas grave, comme ça, ça me va super bien, papa. D'accord, ok, pourquoi pas. Vas-y, Gary, mets ton équipement, il va pareil. Et c'est parti, on va se diriger à l'extérieur du bunker, les amis, pour voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Parce que, oui, les potes, cette nuit, on a encore entendu du bruit. Du coup, on va voir si à l'extérieur quelque chose a changé ou pas. C'est bon, vous êtes tous prêt? Ah. Ouais. Oui papa. Attends, j'arrive. On va aller taper des aliens. Ouais. On va aller taper des aliens. Ouais. Ok. Ça me va bien là comme ça papa. Oui c'est bon. Vos équipements vous vont comme des gants les enfants. C'est super. Vas-y. Hey, papa. T'as oublié ça. Quoi? Ah oui c'est vrai. Il nous faut des armes. C'est vrai. Ok. Attendez. Venez. Je vais vous passer des armes. Attendez. Il reste des pistolets laser. Du coup on va prendre ça hein, comme pistolet hein, les enfants. Tiens Billy pour toi. Gary. Merci. Pour toi. Eva. Tiens. Voilà. Et pour moi aussi. Nickel. Voilà. Ouais. Super. C'est parti les potes, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour bien voir tout ce qui va se passer. Parce que je pense qu'il va se passer plein de trucs de ouf. Et les enfants, c'est quoi l'objectif d'aujourd'hui de like? 12 000 pouces bleus, c'est parfait, 12 000. Ok, oui, 12 000 papa. Du coup les amis, s'il y a 12 000 pouces bleus à cette vidéo, il y aura automatiquement un autre épisode avec tous mes enfants. Du coup je compte sur vous pour mettre un maximum de likes. Et c'est parti, on sort du bunker. C'est parti les potes, on va sortir du bunker. Du coup c'est parti, on va voir comment est l'extérieur. Oh non, c'est encore pire. What the fuck? C'est quoi tout ça? J'ai peur. Faire attention, grand frère. What? Mais regardez toutes les météorites qui sont tombées du ciel. C'est quoi tout ça, là? Ah, papa, j'ai peur. Oh non, c'est quoi? Oh non, c'est bon, les enfants. N'ayez pas peur. Ça va, Billy, pleure pas. Eva, toi aussi, pleure pas, ça va. Oh non, regardez les potes. Mes enfants ont complètement peur. C'est incroyable. Il y a que Gary qui n'a pas peur. Regardez. Je suis paralysé, grand frère. J'arrive plus à bouger, là. Ah, mais oui, je vois ça. Oh, c'est incroyable. Attends, je vais me faire une claque. Ah.
Ça va, Eva, faut pas être trop violente comme ça. Oh là là. C'est pour qu'il bouge un peu et pour qu'il soit plus paralysé. Bon, ok, du coup, je vous rappelle l'objectif, les enfants, c'est d'aller voir, regarder la grosse météorite qui se trouve dans la maison. Faut regarder qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, d'accord? Grand frère, c'est normal qu'il y a, un grand rayon laser qui sort du truc. J'avais même pas remarqué, Gary. Non, c'est pas du tout normal ça. Hein. Bon, on va aller voir ça. Oh papa, regarde la maison des abonnés. La maison des abonnés est toute détruite, c'est incroyable. Oh là 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 là. Waouh, il y a des TNT. Wesh, ok, du coup, c'est incroyable, les potes. On va essayer d'avancer, ok. Bon, vas-y, on se dirige. Oh non, il y a encore les monstres. Ouais, il y a des monstres. Oh non. Papa, Enfin, on fait quoi? Il nous tire dessus, du coup, tirez-leur dessus. Ok, vas-y. Ok, super les enfants, essayez de pas trop me tirer dessus, nickel. Ok, super. C'est bon, ils sont morts. Super, super les enfants, vous avez un beau... Faut faire attention. Vous avez un beau skill. Il y en a un autre. Ah, y'a pas un. Il me reste un demi-cœur les enfants, il me reste un demi-cœur. Faites gaffe, s'il vous plaît, protégez-moi. S'il y en a d'autres, vous les tuez. Il y en a deux autres là-bas. Oh oui, ils sont là-bas, vas-y, tirez-leur dessus. Voilà. Ok, c'est bon. GG. Ok, super. On va se diriger tranquillement à l'intérieur de la maison, d'accord? D'accord. Ça vous dit, avant d'aller voir à l'intérieur de la météorite, on regarde le jardin et tout, comment c'est devenu? Oui, papa. Vas-y, super. Ma cabane. Oui, okay, ma cabane, coup... je veux voir ma cabane. Ah ouais, tu veux voir ta cabane, Billy? Vas-y, oui. Ok, par contre, oula, attendez, il y a d'autres monstres, Ok, GG, go. C'est parti, les amis. Du coup, on va aller voir la cabane pour voir à quoi elle ressemble maintenant. Faites-moi des petits blocs. Voilà, nickel, GG. Les gars, vas-y, on avance tout doucement, nickel. C'est parti, on va voir. Oh, aïe, je suis tombé, papa. Oh non, regardez. Oh non, tout le jardin est tout détruit. Mon château de sable. Oh non, c'est trop bien. Mais pourquoi t'es content, Gary? Qu'est-ce que tu rigoles, toi? Ma cabane n'est pas détruite. Oh oui, c'est vrai, les amis, regardez. Tout le jardin est détruit, à part la cabane de Gary qui est complètement intacte. Oh, ah, t'as de la chance, Gary. Bah oui, j'essaie, grand frère. Allez, monte, grand frère. Ok, par contre... Trop chanceux, toi, nous, on n'a pas de chance. Oh, mais ça va, les enfants, faut pas pleurer, Billy, Eva. Mon château... Après, on va le faire. Oh non, les amis, regardez comment mes enfants sont tristes. Les potes, c'est incroyable. Les potes, vous savez quoi? S'il y a 12 000 pouces bleus à cette vidéo, on pourra revenir dans le passé. Et du coup, notre maison redeviendra comme avant, les amis. C'est ultra important. Ah oui. Oui, il faut... Faites des pouces bleus. Voilà, il nous faut 12 000 pouces bleus. Oui. Voilà, les potes, vous les avez entendus. 12 000 pouces bleus. Et tout redeviendra comme avant, d'accord? Bon, vas-y, c'est parti. On va aller voir à l'intérieur de la météorite. Let's go. Okay. Allez, il faut rentrer dans la maison. Ok, pour rentrer de la maison, faites gaffe quand même s'il n'y a pas d'autres ennemis, d'accord? Il y en a d'autres. Oula. Faites gaffe les enfants. Vas-y, Gary. Ouais, GG. GG. Bon, c'est bon. Ok, waouh. Ok, nickel. Waouh. Ok. Bon, Billy. Quoi, c'est magma moisi? Ouais, ça a l'air d'être du magma moisi, ça. Quelqu'un peut casser un petit peu la météorite pour voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Ouais. Ah oui, papa. Vas-y, Billy. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Papa. What? Il y a une porte. Vas-y, cassez, continue à casser. Vas-y, hop, ok. Wow. Mais... Ouais, il y a une porte. Il y a une porte dans la météorite. Mais ça veut dire quoi, ça? Je sais pas. Mais il faut... Porte météorite. Je sais pas, mais ça annonce rien de bon. Ouais, ça annonce rien de bon. T'as tout à fait raison, Gary. Vas-y, Eva, ouvre la porte pour voir. Waouh! C'est magnifique! Waouh! Mais c'est quoi ça? Je sais pas. Waouh, les amis, regardez qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la météorite! Waouh! Oula! Oh, je peux toucher à ça, papa! Non! Oui. Les enfants, vraiment, j'insiste sur le fait qu'il ne faut rien toucher, les amis! Attendez, il faut que je comprenne à quoi ça sert! Mais c'est quoi ça? Oh. Attendez, il y a des dynamites! C'est magnifique! Mais c'est trop beau! Les enfants? On dirait une centrale nucléaire, papa! C'est vrai qu'il y a plein de couleurs partout, c'est plutôt stylé. Mais les enfants, j'ai comme l'impression. J'ai comme l'impression. Papa, il y a une télé. Ouais, il y a une télé, mais j'ai comme l'impression que c'est une bombe. Ah oui? Ouais. Ça fait peur. Grand frère. Non. Oula. Oh. Ouah. Ça va s'activer. Ça va s'activer. Oh.
Waouh, 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 courez les enfants, courez. What les amis, Gary a activé la bombe comme un gros teubé. Mais Gary, qu'est-ce qui t'a pris? What? Mais je sais pas, je pensais qu'il allait y avoir un dessin animé à la télé. Mais non. Écoute, j'ai appuyé. Un dessin animé, mais n'importe quoi, Gary. Bon, vite, 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 courez les enfants, faut vite pas que, que la bombe explose. Mes grands frères, ça a rien fait. Attends, je vais voir. Ouais, ça a l'air d'avoir rien fait, c'est bizarre. J'entends des bruits. Bon, papa, moi aussi. Ouah. On peut retourner à vivre à la maison. Hein. Attends, mais non, j'ai entendu un bruit. Gary, Gary, mais reviens, ça... Gary. Mais quoi, ça a rien fait, Gary. Wow, ça explose les enfants, courez. Courez les enfants, vite. Ah papa. Tout est en train d'exploser. Non, vite, faut vite courir. Oh non les amis, c'est incroyable. Garé, oh non. Vite, je vais vite aller me cacher dans le bunker. Oh non les potes, j'espère que mes enfants vont bien. Oui, oh, non, je suis là derrière toi. Ok, Eva, t'es là. Gary, Billy, ils sont où? Ici. Ah Billy, et Gary, il est où les enfants? Oh non les enfants, je crois que l'explosion a emporté Gary. Oh non, regardez Billy comment il est triste. Non. Oh non les amis, bon, les potes, c'est incroyable. Il nous faut 12 000 pouces bleus, comme ça on pourra aller voir Gary pour voir s'il va bien, les potes, c'est important. Le pauvre, il est parti tout droit dans l'explosion, c'était incroyable. En tout cas, voilà les amis, c'est déjà la fin de la vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu. Abonne-toi si c'est pas déjà fait. Voilà, pour s'abonner, ça te prend 2 secondes, tu te crées un compte. Voilà, c'est vite fait. J'aimerais aussi remercier Antomrex, Alexandre et le fils de Souka d'avoir participé à cette vidéo. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine, c'était Souka, ciao les